Moi, j'ai un très bon ami à moi, ivoirien, qui pendant les événements a décidé de quitter la Côte d'Ivoire et d'aller s'installer en France. Il voulait travailler à tout prix. Et il est rentré dans la Légion étrangère, l'armée la plus dangereuse au monde. Mais il est très fier. Il ne peut pas faire marche arrière. Quand il est arrivé, il leur a dit, waouh, madame, bonjour, c'est pour le travail là. Il a dit, excusez-moi, vous savez qu'ici c'est la Légion étrangère. Hein. C'est pas l'armée, quoi. C'est... On recherche des bonhommes, c'est très dangereux. Et quand tu veux voir l'armée, je vois un bonhomme. Toi, tu vas être dans les rues comme moi. Il dit, bon, écoutez, excusez-moi, allez-y. Hein. Rentrez, on a rentré dans une salle, on l'a installé, il y avait plein de monde. Le colonel est rentré, il a crié, garde à vous, tout le monde s'est mis au garde à vous. Même mon pote est voilé, il dit, oh, folle, allez. Mais les Ivoiriens, le colonel leur dit, ici, vous êtes à la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est se prendre une balle dans le bras et dire qu'on a pas mal. Monsieur, si je vous tire une balle dans le bras, qu'est-ce que vous dites? Il y en a un qui a répondu, je dis que j'ai pas mal mon colonel. Et il prend son fusil. Bah, j'ai pas mal mon colonel. Même mon ami ivoirien, quand il a vu le colonel venir vers lui, il était énervé. Il va venir crier dans mes oreilles encore. Il est arrivé à côté de lui. Ici, vous êtes à la Légion étrangère. Oh, mon ami, à quoi? Oh, parlez doucement, je suis à côté de toi, tu es là. Monsieur, ici, vous êtes à la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est se prendre une balle dans le bras et dire qu'on a pas mal. Si je vous tire une balle dans le bras, qu'est-ce que vous dites? Tiens, tirez sur moi. Cadeau. Quelqu'un il vient me postuler, toi tu as tiré sur moi. C'est que faut tirer. Voilà, il t'a appelé tirer sur quelqu'un au corps. Le colonel, il est énervé, tu vois, lui aussi, très fier, il prend son arme. Pah, il dit, ah, ça là, c'est petit. Il dit, faut tirer. C'est que tu as commencé là, faut terminer. Il reprend son arme, bah mon vieux, si tu as fini là, faut prendre ça là aussi. Même le colonel ne comprenait pas, il lui a dit, attendez, je comprends pas, expliquez-moi. C'est quoi l'histoire? Vous ne ressentez pas la douleur? Il dit, c'est pas moi, hein. Tes amis là qui sont à la porte, là, c'est eux qui m'ont donné chaussures. Ils m'ont dit, tu choses combien? J'ai dit 42. Ils m'ont dit, c'est fini. Ils m'ont donné 45. Donc il n'y a rien, faut taper. Les doigts sont dedans.